Le juge Alphonse Charles Rail du tribunal de première instance de Dixine a pris ses premières décisions dans le procès opposant Kadia Toubiro Diallo Deka, fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale Eladj Boubacar Biro Diallo, à Ousmane Gnelon Diallo, un militant du parti au pouvoir, très actif sur les réseaux sociaux. Il a décerné un mandat d'arrêt contre le jeune Gnelois, poursuivi pour injures et menaces, et qui ne s'est pas présenté au tribunal depuis le début de cette affaire. Le juge a ordonné aussi la transcription de la vidéo dans laquelle le prévenu a proféré des injures à l'encontre du doyen Eladj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Mais également, la comparution à titre de témoin du général Ibrahima Baldé, au commandant de la gendarmerie nationale. Cela en vue d'éclairer le tribunal sur l'altercation qui a eu lieu récemment entre Kadia Toubiro et Ousmane Gnelon dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale.